Le vocabulaire, c'est le nerf de la guerre, ou plutôt une défaite sans bataille quand on l'a pas de son côté. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Que pensez-vous du livre d'époque Beaucoup de mal. Pourquoi Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Orwell ouais, nous l'avait jamais fait comprendre dans son 1984. Moins le peuple est cultivé, plus sa compréhension du vocabulaire est maîtrisée et limitée par l'élite, plus il le sera aussi maîtrisé et limité. Il y a le fluor aussi même si c'est vrai que sur ce coup-là, on s'est fait démasquer. Ouais, mais bon, on a d'autres combines, vous en faites pas. Hein. C'est pas pour rien que c'est la première fois historique que le QI baisse d'une génération sur l'autre. Hein. Regardez par quoi vos gamins se font influencer. Hein. Regardez les influenceurs qui les influencent. Ouais, et bah ça vole pas plus haut que leur vocabulaire. On a encore de beaux jours devant nous. Et aujourd'hui, un paquet de mots à la définition floue semble toucher directement l'affect, en caressant les biais dans le sens du poil, empêchant ainsi le cerveau de pas mal de monde de se mettre en système analytique. Espèce de complotiste, va Complotiste, exact Un mot qui apporte un discrédit direct sans aucune forme de procès. Certes, il est pas bon de s'embourber à voir des complots de partout, mais si jamais t'en vois de nulle part, c'est que t'es dans les sables mouvants, au moins jusque-là. Des centaines de milliards d'euros sont sortis chaque année par la Banque Centrale Européenne, directement imprimés pour finir dans la poche des plus riches. Injection de liquide pour les banques, histoire de pallier leurs erreurs de spéculation. Et nous, quand une bulle spéculative éclate, on nous demande par solidarité d'aller travailler un jour férié, tout ça pour les erreurs d'un monde dont on ne fait pas partie et qui ne nous apporte rien. Alors je sais pas si c'est un complot, mais en tout cas, on se fout bien de notre gueule. Dis, t'aurais pas un masque pour moi aussi Et mon masque Et mon masque Non T'as on s'est fait bouffer commercialement. Il faut vivre avec son temps, du lieu d'être hacker, tu ferais mieux d'être trader. Ça c'est progressiste. Ah progressiste, bien entendu, devenu une qualité première à avoir, quasi non négociable. Hein. Mot qu'on comprend surtout grâce à son antonyme conservateur, qui lui est devenu une tare bien dure à porter. Je préfère dire réactionnaire. C'est plus fort comme insulte. Hein. Au-dessus avec euh, facho antisémite, racistes xénophobe. Pourtant, le conservatisme, d'après moi, avant que d'autres ne s'accaparent la définition, c'est la préservation de ce qui doit l'être. Attention, pas de tout, de ce qui doit l'être, parce que l'expérience et la raison en ont démontré ses bienfaits. Définition irrecevable. Peut-être parce que raison et expérience ne sont plus souvent de la partie. Ah, c'est bon, on arrête le populisme. Populisme aussi, oui. Comment ce mot a pu devenir si négatif, si méprisant Je ne sais pas, mais cracher qu'un mouvement est populiste ou qu'une personne fait du populisme et qu'on le déteste pour ça, ce n'est pas obligatoirement se sentir supérieur au peuple, bêtement happé par ce populisme Bref, se sentir d'une classe supérieure. Bourgeois. Comme disait Trotsky, et je ne le cite pas par hasard, la bourgeoisie dont la conscience de classe est très supérieure à celle du prolétariat, a un intérêt vital à imposer sa morale aux classes exploitées. Citation qui est tirée du livre, leur morale est la nôtre, qui parle logiquement d'une opposition de classe, ce qui par définition relève du populisme. Enfin je dis ça, je dis rien. Bah, même le mot bourgeois, le bourgeois d'aujourd'hui est assez difficile à correctement définir. Un dictionnaire ne suffit plus, il faut lire, se documenter, recouper, euh, bref, c'est du taf. Hein. Et même après ça, ma définition continue encore d'évoluer. Mais heureusement, euh, je ne suis pas le seul à la remettre en question. Ah vidéo avec le soutien du CNC, en gros ça veut dire que le centre national du cinéma a donné jusqu'à 50 000 euros pour la création de l'émission. Par contre ils contrôlent un minimum hein, parce que moi par exemple j'ai pas le droit. Et heureusement, le CNC c'est un établissement public sous l'autorité du ministère de la culture. Donc de l'État. Et en toute logique, il faut aller un petit peu dans son sens. Ou en tout cas, pas dans le sens inverse. Bon, oh, t'as préparé un truc sur les bourgeois, c'est ça Oui, avec ah. un test. Nous voici donc avec Usul et Cotentin pour un épisode de Ouvrez les Guillemets, créé pour et financé par Mediapart. Média d'opposition, 100% indépendant, s'il te plaît. Son slogan, c'est même Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Mediapart. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Oui, c'est vrai. Mais par contre, j'ai cru voir avec le soutien du CNC. Donc de l'État pas... Euh... Non, on va quand même continuer, on va faire fi de ça parce que j'ai quand même envie d'affiner ma définition de la classe bourgeoise. Je vais vous résumer les cinq premières minutes de la vidéo, car ce qui est dit me semble couler de source et c'est peut-être un peu long à mettre en entier ici. Usul parle de l'importance du vocabulaire et les dominants tentent de nous imposer le leur. Les travailleurs sont devenus salariés. Avoir un salaire cache le travail derrière. Et c'est dominant, même si on peut leur donner d'autres noms, c'est bel et bien la bourgeoisie. Elle comprend bien évidemment la très identifiable haute bourgeoisie, ces multimilliardaires entre autres à la tête du CAC 40, mais la bourgeoisie, ce n'est pas que ça. Tous les bourgeois ne sont pas des patrons, pour autant. Il y en a, c'est des, des rentiers oisifs, euh, d'autres qui sont des, des hauts fonctionnaires, euh, des artistes, des aventuriers, euh, de discrets érudits. Et l'intérêt donc va être de définir cette classe dans son intégralité. La bourgeoisie est une classe mobilisée, consciente de ses intérêts. Jalouse de ses privilèges, mais c'est surtout une classe. C'est une classe sociale, donc c'est un groupe, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et alors là, c'est le grand jeu, c'est le grand test. Vous l'attendiez. Faites-vous partie de ce groupe Faites-vous partie de cette classe sociale Bon allez, je fais petit compteur. Première question Est-ce que vous avez déjà participé à un rallye Pas le Paris Dakar, hein, pas un truc de voiture, hein. un truc où les, les bourgeois se présentent leurs enfants entre eux, en espérant qu'ils se grimpent dessus à un moment. C'est vrai que la bourgeoisie dont la principale préoccupation est de conserver ses acquis ou d'en obtenir des nouveaux. Aime les bonnes unions, hein, sinon ça peut engendrer des pertes. Et flûte, mon lévrier polonais s'est fait monter par un bâtard. Et le résultat est décevant et sans valeur. Mais c'est plutôt réducteur parce que seuls les grands bourgeois parisiens déjà identifiés font des rallies alors oui, la classe bourgeoise n'aime pas se mélanger aux petits peuple. Oh vas-y, je suis fonce dès là, je crois que pour entrer je vais demander à Hubert. Alors déjà c'est Jean-Hubert et je ne vous connais pas, et de toute façon il n'y a pas écrit taxi sur la voiture diplomatique de papa. Mais elle ne gravite pas entre elles seulement une fois l'an. Elle s'isole plutôt tout au long de l'année. Et c'est avant tout la sélection de, par exemple, une école dénuée de mixité sociale qui permet d'éviter les mauvaises rencontres amoureuses. Franchement, je sais pas si c'est parce que j'ai trop méfu. Mais t'as de beaux yeux Hubert. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Deuxième question, avez-vous déjà défiscalisé un don à un parti politique? Là, c'est un point important. Le bourgeois veut conserver son rang social. Il ne veut pas de changement économique et encore moins de bouleversement politique. Oui, c'est donc pour ça qu'il vote pour la droite conservatrice. Oui, mais ça, c'est surtout le bourgeois ancestral. Le bourgeois d'aujourd'hui, bien que conservateur en ce qui concerne l'économie, peut être parfois progressiste socialement. Il peut voter à gauche jusqu'à droite et c'est par exemple une belle partie du soutien de Macron. Non, mais Macron, c'est grave le changement, faut juste lui laisser du temps. Inconsciemment peut-être, il sait qu'en dehors des extrêmes, encore que, et des partis anti-Union européenne, ça ne changera rien à son rythme de vie actuel. Après autant miser sur le candidat le plus apte à le protéger de toute revendication populaire et lui permettre de conserver son rang social. L'expérience m'a appris que d'un point de vue pécunier, vaut mieux être du côté du banquier. Troisième question, connaissez-vous l'héritage et la vie de votre arrière arrière grand-père par exemple est-ce que vous connaissez l'histoire de vos aïeux J'ai un petit peu de mal avec cette question parce que ça voudrait dire que vouloir connaître son passé ou la généalogie, bah, ce serait des activités bourgeoises. Hein Alors c'est peut-être surtout des activités de gens qui ont le temps, mais est-ce que c'est vraiment euh, restreint seulement à cette classe Je crois pas. Je veux bien que les très grands bourgeois soient très familles, justement, mais ça veut pas dire que c'est réservé qu'à eux. Et surtout, euh, bah, c'est pas cela qu'on essaie de définir. Est-ce que vous vous rendez à de formidables cousinades régulières, voilà, où il y a tous les membres de la famille, famille étendue, les grands cousins, les machins, les trucs C'est pareil, c'est pas exclusif aux bourgeois. Ou alors c'est que c'est orienté citadin, je sais pas. Non parce qu'à la campagne c'est assez commun, les très grandes familles numéraires, eh ben, elles essayent parfois de, de réunir le plus de monde possible. Mais tu t'imagines bien que quand chaque femme d'ouvrier agricole a eu 10 gamins sur 3 générations, eh ben, à table, ça parle pas beaucoup d'héritage. Ah bah dans le ch'nord, hein, on fait des cousinades de rallye, Birut 3 points bourgeois d'un coup, peu cher Mais bon, on essaye pas de choper la plus riche, non Juste celle qui se laisse faire, tabernacle! Je sais pas, j'ai l'impression qu'on teste pas sur le côté bourgeois. Mais plutôt, je sais pas, sur le côté euh, vieille France. Cinquième question, est-ce que vous comptez sur un héritage? Est-ce que c'est toujours un peu dans un coin de votre tête, vous vous dites, je sais qu'à un moment, il y a un gros sac d'argent qui va me tomber dessus? Question légitime, rien à redire. À part que si on écoute. Tout ce qui a été dit pour l'instant, si le bourgeois est tout le temps très famille, il va peut-être pas s'amuser à miser sur la mort d'un de ses proches. Alors je me permets de mettre quatre lingots d'or sur Papy. Chute d'escalier, à l'instant ciré par Conchita, après nous avoir brisé les bijoux de famille pendant toute sa vie, finira avec la nuque brisée. Est-ce que vous prenez l'avion plus de trois fois par an hein Y compris pour des vols intérieurs. Hein. Oui. Il paraît qu'ils veulent nous supprimer les vols intérieurs, les insoumis, là, pour faire des trains. Ah mais c'est nul, hein, l'avion c'est mieux... Ça c'est bien, c'est important d'en parler. Mais est-ce qu'il y a vraiment un rapport avec le sujet par contre Est-ce que c'est pas juste pour le placement de produits France Insoumise Bon, faisons fi de cette idée. Vous savez qui prend l'avion souvent sans être bourgeois Les travailleurs détachés polonais. J'amenais mon lévrier polonais tous les trois mois à Cracovie pour un retour aux sources. Mais bon, j'imagine que pour les bâtards, tous les six mois c'est suffisant. Il y a aussi pas mal d'employés qui prennent l'avion souvent et c'est payé par leur boîte. Le temps c'est de l'argent. Et puis quand tu vas dans un aéroport, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de personnes d'origine africaine qui retournent assez souvent, voire se rester au pays. Deux fois par an, bah ça fait quatre voyages. C'est pas très bourgeois, ça. Hein. J'ai pas dit qu'il y avait pas de bourgeois chez les familles d'origine africaine. J'ai juste dit qu'elles l'étaient pas toutes. Alors septième question Est-ce que vous avez déjà vu un membre de votre famille du XXe siècle en peinture Et point bonus Si vous avez déjà vu un membre de votre famille du XIXe siècle en photo. Ok, mais là on est seulement sur les grands bourgeois. On s'éloigne un petit peu de l'objectif. Huitième question, votre famille possède-t-elle une jolie maison de famille nichée dans un écrin de verdure Bon, elle a surtout une valeur sentimentale, hein. évidemment, tous ces souvenirs. Alors sentimentale, famille, toujours pareil, mais les marchands de sommeil qui ont une dizaine d'hôtels à Paris Et les rentiers de l'immobilier bah, Je sais pas, c'est quand même largement autant bourgeois bah, que ceux qui possèdent une maison secondaire. Pourquoi on parle pas de ceux qui ont un portefeuille d'action ou ceux qui n'ont jamais fait de travail manuel Il y a peut-être d'autres choses. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une manif de droite Même juste pour accompagner, hein Genre euh, manif pour tous, euh, foulard rouge, euh, trocadéro, enfin des vraies manifs de droite. Hein. Ah, le bourgeois serait donc de droite Droite dure conservatrice C'est pas un peu orienté Bah oui, il est de droite, voire d'extrême droite même, donc conservateur. Ok, et par exemple l'écologie, c'est progressiste de gauche Évidemment Et pourtant l'écologie cherchant à sauvegarder la nature et à protéger les écosystèmes, ça a beau être souvent révolutionnaire, c'est aussi conservateur. Tout n'est pas si simple. Euh... Bah il est où le bouton reset Mais là où t'as raison, même progressiste de gauche, le bourgeois est conservateur dans le sens où il veut conserver notre système de répartition des richesses. Et il fera tout pour le défendre. Macron, Macron Hein Rééquilibrer les richesses Populiste Fasciste Antisémite Et beaucoup de points à se faire sur la dernière question, parce qu'il y a 0,5 points par activité que vous avez déjà pratiqué. Est-ce que vous avez déjà fait du golf De l'équitation Du tennis du polo ou de la voile. Et peut-être des petits points bonus aussi. Plus un si vos parents possèdent un voilier et un autre plus un si vos parents possèdent un ou plusieurs chevaux. Allez, je suis sympa. Plus un si vos parents ont un cours de tennis. Ah, enfin j'ai des points. Minigolf, poney, tennis. Mais tennis, ok pour le fait d'avoir un terrain, mais euh, sinon la licence de tennis coûte moins cher en général que la licence de foot. Et raquettes, crampons, c'est kiff-kiff. Après réflexion, peut-être que la question se justifie en fait par la relativement faible mixité culturelle dans ces sports-là. Je pense que si vous avez plus de 10 points, là, on peut plus en rien pour vous. Limite, vous êtes définitivement un salaud de bourgeois. Qu'est-ce que vous foutez là Regardez ça. Non, arrêtez de regarder ouvrir les guillemets. Vous suffit. faites du mal. Oui, en effet, si t'es issu d'une famille bourgeoise de droite et ça depuis la Révolution, euh, cette émission elle est pas pour toi parce que c'est toi qui prends depuis le début, depuis tous les épisodes. Bon, euh, tu le mérites, hein, mais personnellement j'aurais mis un peu plus de monde avec toi. Diantre Moi j'avais pas compris ça. J'aimais bien quand Usul dans chaque épisode il s'attaquait aux bourgeois parce que je croyais qu'il pointait tous les bourgeois au cœur de la lutte des classes d'aujourd'hui. Pas seulement l'image. Très réductrice qui en ressort après ce test. Fichtre Le truc c'est que la bourgeoisie c'est pas seulement l'héritage familial. Faut pas oublier la partie économique, sociale, culturelle, le capital symbolique aussi. Et je me permettrais de rajouter la portée et l'influence de notre habitus. Bigre de bougre Mais voilà, j'imagine que ça allait peut-être bousculer une partie des fans de cette émission et pourquoi pas même les présentateurs. <laughs> pourquoi prendre des risques Le test qu'on vous a proposé, il est pas très utile parce que normalement si vous êtes un grand bourgeois, bah vous êtes déjà au courant. mais des que c'était le but, ok Identifier ces bourgeois déjà identifiés dans l'intro. Les critères sont quand même assez précis, c'est les nôtres. C'est bizarre parce que ça ressemble un petit peu au test de ce livre des sociologues pinson charlot mais disons plus épuré et réorienté comme si on avait gardé que les questions qui correspondent aux bourgeois de droite conservatrice Je sais, j'ai la BD plutôt que les livres, mais ça résume bien, sérieux. Oh le faquin Alors critiquer ces grands bourgeois qui exploitent une partie toujours plus pauvre de la population Oui, carrément Mais faudrait peut-être pas oublier toute cette classe bourgeoise qui gravite autour, ceux qui finalement permettent et cautionne cette grande bourgeoisie. Sa père l'hypopète Mais non, c'est sa mère l'hypopète Je suis désolé, mais maintenant on dit parent 1 l'hypopète François Bégodeau lui fait l'inverse et ne parle que d'elle, oubliant consciemment les grands bourgeois. Oh putain, y a pas d'image dans celui-là Il la nomme minorité audible, et pour cause, on n'entend qu'elle. C'est le tout Paris. La quasi-intégralité de la presse, des médias, des politiques, mais aussi ses grands patrons, notaires, banquiers, commissaires, juges. Bref, ces gens qu'il faut connaître. Alors déjà, je ne suis point bourré, et pour preuve, appelez mon très bon ami le commissaire qui dit euh, le commissaire divisionnaire, vous voulez dire. Quoi. Non, non, c'est mon très bon ami, le commissaire qui divise mon taux d'alcoolémie. C'est bien beau de nous dire qu'il faut combattre un ennemi en omettant de nous parler de toutes les barricades et les soldats qu'il le protège. Parce que c'est obligatoirement à eux qu'il faudra se frotter en premier. Ah moi tant que j'ai ma solde, la propriété, la rente qui va avec, je me dresserai tel un rempart devant mon maître face à n'importe qui qui veut le défaire. Le bourgeois cultive l'entre-soi baignant dans sa propre connerie, connerie qu'il diffuse sur grande écoute même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Hein. Si bien qu'on se retrouve les pieds dans une pensée dominante qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle du plus grand nombre. Faut dire qu'on se débrouille pas mal, hein. on mériterait presque une médaille et des récompenses. Ah, bah ben non, c'est bon, on a déjà tout eu. <laughs> Par contre, c'est vrai que si jamais la guerre éclate, on risque de finir tendu. Des fois, je me dis que la pire opposition, c'est celle qui fait semblant, celle qui crée des boucs émissaires. Parce que généralement, bah, on la suit doucement et on la laisse se battre à notre place. Que l'État et les médias classiques nous feintent vers de mauvaises pistes pour perdurer, ça je le conçois. Mais un média qui se dit d'opposition, pourquoi? Je vais te le dire, même si tu le sais déjà, c'est que même les trotskistes à moustache ne veulent pas perdre leurs acquis, préférant faire la morale au prolétariat tout en les trompant sur l'identification de la classe supérieure dont ils font partie. Je plaignais le coupable Les terroristes ne sont pas ceux qu'on croit, ils se baladent souvent en costume cravate. Et nombreux sont les complices qui tentent de cacher leurs crimes et leurs identités. Car tout le monde le sait, tant qu'on ne connaît pas pleinement notre ennemi, on ne peut pas rentrer en guerre. Paradoxal